Salut les viewers, c'est Marcus Bolus. Et j'ai loupé mon intro, du coup j'ai commencé avec un petit peu de retard. Et bienvenue dans la Playroom, c'est l'épisode de Robocraft, chers amis. Donc je l'ai pris directement dans la game, je sais pas si vous allez en penser, si ça vous plaît, si vous gagnez du temps sur le gameplay. Donc voilà. Et bah écoutez, on repart avec ce robot que j'ai toujours pas nommé, hein. Maintenant qu'il est un peu plus tanky normalement. On pourra voir si oui ou non, il est un peu plus efficace. Et normalement, dans le prochain épisode, on partira avec un autre robot. Aïe! Seriously? Ce serait sympa de pouvoir les voir aussi, les missiles. Ok. Quoi? T'es sérieux? Mais putain, mais il apparaît même pas dans mon champ de vision! Voilà, meurs! Merci l'ami. T'as un pseudo très long à lire, un matricule très long à lire, mais merci. C'est vraiment sympathique. Spotted. Hop. Corvus Glaive. Joli pseudo. Très joli pseudo. Hop. Ah, c'est lui le fameux snipe. D'accord. Cassez-vous! Ah, merde! Eh, hey, elles vont crever tes armes ou pas? Sac à caca. The bottom fusion tower has been captured. Ok, ça touche. A player has disconnected. Quoi? Your respawn time has been reduced. Spotted. Alors. Quoi? Mais putain, on est en tête. Eh ben non. Quoi? Mais il y a des lags, c'est pas possible. Eh oui, elle fait des dégâts cette arme. Elle est bien plus précise que ce que tu peux imaginer. Ah, oh, arrêtez de m'envoyer des textos. Allez, meurs. T'es sérieux là, t'es aussi solide que ça? Il y en a un qui a blinké sur moi. Non. Et voilà. Oh. Toi, tu t'es mis une demi-heure à te buter, j'aimerais voir l'équipement que t'as. Putain, il est solide, hein. De toute façon, on a déjà deux mecs qui se sont barrés. Alors. Ah bah en plus c'est c'est une team. Ah bah bien. Graf, tiens les Graf. Ah bah écoutez, bravo, vous faites une super réputation. On va essayer de viser au-dessus vu que son hélice est au-dessus. Ah merde! Quoi? Putain, mais c'est saoulant! Ah, mais quand c'est pas à droite, c'est à gauche?
On peut même pas avancer. Alors là, ça commence à me gonfler ce jeu. Vive le matchmaking. Ah, mettez plein d'ennemis anti-air sur des véhicules aériens. Bah oui, allez-y. What? What? C'est même pas censé marcher. Allez, on y va, on y retourne. C'est la fête. Et on fait la brouette. On rit comme des sauts. Et on dégueule dans le caniveau. La fête. Bah oui, bien sûr. Ces missiles ont une plus longue portée que des canons de DCA. À quoi ça sert d'avoir une DCA qui est censée tirer des ennemis aériens? Si. Enfin bon. C'est la vie. Mais non, ça va pas le toucher. Dégage. Hop. Oh putain, recule. De toute façon, s'il vient, hop. Ah, j'arrive pas à viser ces trucs. Ta régène. Oh putain, ta régène sur le côté. Bon, je roule. Désolé, je roule. Hop. Quoi? Quoi? Qu'est-ce qui me fait ça? Ah! Mais pourquoi ça me soulève? Pourquoi ça me soulève? C'est ça que je comprends pas. J'ai jamais réussi à soulever quelqu'un avec une arme, moi. Pourquoi ça me soulève? C'est quoi cette physique? Toi, t'es par là. T'es forcément par là. Et je touche pas, hein. Mais lui nous touche. Bah oui, c'est la logique. Ok. Oh, mais... Non. Non, putain. J'en ai ras-le-bol. Ça joue qu'à ça. Ça joue qu'à ça. Tiens, l'unijambiste. Non. Putain. Ça joue qu'à ça. Voilà, je rage. Combien ils sont avec leur machin? Regardez ça. Regardez ça. Hop. Il n'y a pas un sniper pour les contrer. Et ça touche plus. Pour une raison inconnue, ça ne touche plus. Hop. Qu'est-ce que... Mais quoi? Ils viennent taper... C'est pas possible, ils viennent de taper dans les... Mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi alors? Pourquoi ces missiles passent à travers tout? Pourquoi ces missiles passent à travers tout? Qu'on m'explique! Meurs, charogne! Voilà! Je roule! Tête qui roule, namas pas mousse. T'es sérieux? Toi, pourquoi ton arme est-on ici tanky, quoi?
Blah. Voilà, alors là je comprends pas. Honnêtement je comprends pas. Pourquoi je me retourne? Donnez-moi une bonne raison. Pourquoi est-ce qu'il m'arrive de me retourner comme ça? C'est débile. Allez, avance. Ah bah oui, mais ça je veux qu'à ça, je suis désolé hein. Sac à purin. Je suis désolé, je reprends les insultes le merde parce que c'est des merdes. Je suis désolé, attends, ton arme à la con là, la garde. Oh putain. Et on voit même pas les missiles, regardez ça. On voit même pas les missiles. Des no-skills et des glitchers. Voilà. Pourquoi je suis bloqué? Voilà, merci l'abruti. Merci l'abruti. Casse-toi, casse-toi, tu vaux mieux. Casse-toi, casse-toi. Non, ça vaut mieux, franchement, casse-toi. Regardez ça. Regardez le temps qu'il arrive à me viser alors que je suis derrière la montagne, quoi. Oh là là. Ah, ça me saoule. Honnêtement, ça me saoule. Oh là là, ils en ont tous une. Alors je devais tourner plein de Robocraft, mais ça va finir, vous allez vous retrouver avec des épisodes où il y aura rien. Des jours où il y aura rien. Parce que là franchement, il y a de quoi être... On va m'expliquer comment ce trou du cul arrive à mettre un blink. Un bouclier et une méga. Ça fait déjà 750 à eux deux. Plus les jambes. Oh non, faut pas exagérer non plus, mon pote. Hein. Là, si ça passe au travers. Non, non, je suis désolé. J'ai une arme anti-air, je suis désolé. T'es censé être mort. Mais t'es sérieux? T'es sérieux? Tes missiles ils sortent droit de ton cul, c'est pas possible! Et il m'a détruit. Il m'a détruit! Ah non, ils m'ont détruit, pardon, excusez-moi. Bah oui, parce qu'ils sont plusieurs, ils ont tous une arme comme ça sur eux. Donc on peut pas sortir. Donc c'est saoulant. C'est saoulant, chers amis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça joue qu'à ça. Ça joue qu'à ça. Je sais pas ce que je dois faire, est-ce que je dois reprendre soniquement ce robot là? J'ai qu'une idée. Ouais, casse-toi, ça vaut mieux. Pff, putain, mais regardez ça! Regardez ça, je suis à... Allez, 60 mètres du bord. Oui. Oui, je veux me barrer. Non, non, y'a rien à faire, je veux me barrer. Je veux me barrer, allez, allez, le dernier. Your plutonium reactor is under attack. Allez. Oh putain. Avant de pouvoir leur faire. Ok. Quoi? Je viens de te le péter. Je viens de te le péter, sac à purin. What? C'est saoulant. Quand je vois des machins comme ça qui volent et qui sont extrêmement tanky, à quoi ça sert de mettre des électroplates? Honnêtement, à quoi ça sert? Qu'on m'explique à quoi ça sert. Hop. Regardez ça. Regardez, regardez, je viens de repop.
Je suis déjà verrouillé. Moi j'arrête. Je suis désolé, qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre, chers amis? J'arrête de jouer. Non, j'arrête de jouer. J'attends. Ça va pas être drôle, hein. Mais de toute façon, regardez, je viens à peine de repop, j'ai deux lance-missiles sur la gueule. Non, je suis désolé, je vais pas jouer. Je vais attendre. Y'a aucune raison de jouer. C'est pas du jeu. C'est plus du jeu, là. C'est juste des merdes. Ils sont juste. C'est juste tous des merdes, là. Donc moi, j'arrête de jouer, écoutez. Y'a pas de raison de jouer. Y'a aucune raison de jouer. Y'a aucune raison de jouer. Je vais même aller. Tiens, attendez, j'aurais bien. Je me serais mis en phase 2. J'ai aucune raison de jouer. Je n'ai aucune raison de jouer. Je n'ai aucune raison de jouer à ce jeu. Rendez-vous compte. J'ai une arme anti-air qui fait pas de dégâts. Littéralement, elle en fait aucun. Elle devrait faire des dégâts monstrueux, elle en fait pas. Ce qui fait que eux, ils se retrouvent avec des véhicules aériens qui tirent des missiles, mais sur chacun de leurs véhicules. Non, je suis désolé, il y a aucune raison de jouer. Il y a aucune raison de jouer. Aucune. Là, je sais pas quoi faire. Je suis censé tourner encore 4 vidéos aujourd'hui, j'ai pas le courage là. Hein. Là, honnêtement, j'ai pas le courage. J'ai aucune raison de jouer. Je sais pas quoi faire. Son robot, je vois même pas l'entièreté du robot. Je sais pas. Peut-être faire un épisode de construction, on verra bien. Eh bien écoutez les amis, sur ce moment de rage qu'on va se laisser, parce que là franchement j'ai pas envie de refaire une game tout de suite. Donc merci de l'avoir regardé cet épisode, en tout cas n'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. N'hésitez pas à commenter au sujet de ce genre de game, hein. Qu'est-ce que vous en pensez vous chers amis? Franchement là c'était véritablement écœurant pour moi. Donc partagez et abonnez vous, hein, ce sont deux excellents moyens que vous avez pour simplement me faire connaître les amis, je vous en remercie. On serait pas là sans vous en tout cas, ça c'est certain. Heureusement que vous êtes là pour me remonter le moral. Parce que sinon on serait dans le baba, hein, littéralement chers amis. Bon, et bien écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour ceux qui ont des problèmes au fait de jeu, malheureusement j'ai vu que il y en avait certains qu'on avait sur les forums Steam. N'hésitez pas à aller voir de temps en temps. Moi j'avais conseillé de réinstaller le jeu, de redémarrer plusieurs fois le PC à chaque désinstallation et réinstallation. Apparemment ça ne fonctionne pas. Donc et bien écoutez, renseignez-vous sur les forums entre guillemets spécialisés de Steam. Et vous aurez peut-être plus d'informations à ce sujet. Donc voilà, encore une fois, merci les amis d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour cette aventure. Salut les gens. Et yo.